Venez avec moi. Merci. Là, il y a les appareils photos. On va peut-être faire le mousse. Oricum représente un site très particulier. On a la mer d'un côté, on a la lagune avec les animaux, les oiseaux, les poissons que ça préserve. On a une base militaire très importante pour l'Albanie. Aujourd'hui, c'est une base de l'OTAN. Donc, c'est un site qui présente plusieurs choses. Ils sont tous là, non? Tu les as tous avec toi, les ouvriers? Les ouvriers sont là. Oui. Alors ça, c'est le monument qui est un peu le symbole du site d'Oricos. C'est un monument qui a été fouillé à la fin des années 50 par une équipe d'archéologues albanais et soviétiques. Ils ont identifié ce monument avec un théâtre à l'époque parce qu'ils croyaient que, comme ils ont vu ce rangement de sièges, et toute cette place au milieu, ils l'appelaient l'orchestra du théâtre. C'est en fait des signes de carrière. Mon premier contact avec Oricos, c'était le livre de César, La guerre civile. On étudiait le latin à l'époque au lycée. Et donc, c'était la première fois que j'entends parler d'Oricos, de cette ville appelée Oricos. Mais à l'époque, c'était juste une ville parmi les autres que César mentionne dans son livre. Et j'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais ici à fouiller ce site. Toute cette géographie historique, on dirait qu'elle n'a pas changé. Si on lit le livre de César, il dit que la colline d'Oricos est reliée à la terre qu'avec une étroite bande de terre. C'est en fait la route qu'on fait tous les jours pour arriver au site à l'entrée de la base militaire.